Bonjour à tous. Je décidais de faire un petit direct pour faire une petite mise à jour concernant le dossier de Gaylor Kanga. Et j'aimerais bien que tous ceux qui ont une certaine expertise dans les dossiers juridiques puissent nous aider dans ce live. Voilà. La Fédération gabonaise est en train de préparer un dossier, non seulement pour se protéger, pour se justifier, comme c'est bien le cas, comme pour toutes les fédérations. Avant de commencer, j'aimerais bien que les gens puissent rentrer. Voilà, c'est une mise à jour. Bokota, il y a du nouveau. Et Nazozelabato, comme à moi, 50 personnes pour tout le live. C'est vraiment important que tout le monde clarifie un peu les choses. Parce que là, nous sommes en train de nous mettre un peu à jour par rapport au dossier. Parce qu'à chaque fois qu'il y a plainte, vous voyez, bah, après que. Équipe adverse, on peut préparer le dossier. Alors, on a Nina Chabino, on a Ben. Je veux vous mettre dans le bain de ce qui est en train de se préparer du côté gabonais, en fait. Donc, on s'est la mini Bokota. Bokota comme ça. Tout est Bakosola Likambango. Tout est Bandingeni Toroki pour se préparer en conséquence. Donc beaucoup d'ébélé, Nazo là, tout comme matin moi ébélé comme ça, mes canons pour expliquer ce qui est en train de se passer. Donc voilà, il y a eu la plainte de la Fédération congolaise qui a été envoyée à la CAF, c'est vrai. La RDC n'est pas encore qualifiée, le Gabon n'est pas encore disqualifié. Pourquoi? Parce qu'il faut pas y occuper côté gabonais, version d'abord les versions de voilà la version des faits quoi. Et en ce moment. Gaylor Kanga aussi a été contacté par les amis, par ses amis, par les joueurs gabonais, notamment Aubameyang, notamment Lemina. Tous les joueurs gabonais sont en train de le soutenir en ce moment. Ils disposent de bons avocats. Et dossier est lourd. Donc, son avis, dossier est lourd. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi fraude du côté congolais. Voilà. Fraude pesa na ngambu na biso. La licence Wana. Licence Wana est allée correcte. Licence Wana est correcte parce que le joueur, en fait, il se défend. Il se défend aussi. Nangambounaé, il n'y a pas l'oubli que voilà, la licence a été falsifiée. C'est sa photo. Mais Azalaki est obligé à Tchad date en 1985 parce qu'à l'époque, il n'était pas permis à rejouer na âge à Zala Kinango. Donc, Matsela est âge. En ce moment, Yepé, il a trouvé des avocats et là, j'ai besoin de l'aide des juristes pour n'accueillir bah, si c'est réellement vrai. Parce qu'il déclare avoir quitté la RDC en tant que mineur. Et selon la loi, na yebité, na zana besoin bah, juriste bah, aider Bissot. Selon la loi, le joueur, en fait, quand il quitte la RDC, c'est un mineur. Et en quittant la RDC avant l'âge d'être majeur, on peut toujours. Il n'est sans papier en plus, il n'avait pas l'identité, il n'avait rien. Donc, il peut ne pas être considéré comme congolais. Donc, Nazan a besoin d'un juriste, pas mégaroïde, n'a point Oyo, parce que c'est ça. Objectif, il y a défense naïe Ezali. Un, tout d'abord, licence Wana Bazui, photo naïe Bache Yango, à l'objet qui va falsifier qui licence naïe. Et que Bacha qui âge au Ezali a été. Dans la minute où il y a eu, la famille naïe na Congo, où il y a eu acte de naissance na âge à 1990. Donc, déjà, il y a eu acte de naissance naïe. Dans le collectif, il y a un avocat, où il y a eu que. Bazali Kolobake, en quittant la RDC sans document, sans papier, il peut aussi se considérer comme la loi peut le protéger et dire qu'il n'était pas congolais. Donc, soit comme un Gabon, à Roki Kozo nationalité, ni Oya Lingi, à Roki Kozo comme un peu gabonais. Et ça, c'est des éléments de sa défense, en fait.
quand il a joué au Congo avec l'équipe, si c'est Audi ou quoi, quelque chose comme ça, le club avait falsifié son âge, son identité, en mettant un âge avec lequel il pouvait participer à une compétition. Donc, na yebite ba juriste sur Baruy Koide Biso, ba élément de défense na ezali 1, licence na ewana o bazo chawana ezali correctité, ezali falsifié, ba falsifié ki age na ye. De 2, il a quitté la RDC en tant que mineur. Et selon son avocat, en quittant la RDC en tant que mineur, il a le droit de prendre toute autre nationalité. Et surtout qu'il y a le moins qui sans papier. On est allé à Mibale, Yamisato Ezali, que comme le Gabon n'avait aucun document du joueur, comme le Gabon n'avait aucun document valable du joueur à l'époque il est arrivé au Gabon, le Gabon l'a toujours considéré comme un Gabonais. Voilà, donc comme il était Gabonais, du coup le Gabon ne pouvait pas savoir qu'il y a un Congolais. Donc bah élément, bah argument Gabon a utilisé en Rwanda, c'est-à-dire qu'ils vont se baser sur l'innocence de leur fédération comme innocence comme lié à Bachaki Ajnaye et bah falsifié Kenro. Donc ce sera du 50-50, dirais-je, comment donc sa parole contre la parole de la fédération congolaise. Donc du coup il sera écouté, il va donner sa version des faits. Oui, na Congo jamais ba matia age mo. Il y a lobby que ba matia ki age pour et permettre yé à bêta. Donc du coup ba falsifier qui licence na ewana. Donc il y a eu fraude du côté congolais. Et aussi à Longwa na RDC na age ya mineur. Donc na RDC tanga Longwe azaki na ba documenti. Donc pour na avocat naé, bon, élément de défense c'est ali que ce que le moins la RDC et que osan avait mikandati et que osan mineur sur okominambo kamususu osan a droit à tous une nationalité, donc ta nationalité congolaise tombe. Donc on les a bah éléments là bango basan ngaba se défendre. Et puis famille naé osan il a eu bah document en bonne et due forme où ils allaient prouver âge naé ils allaient à 1990. Et puis osan a soutien à bah joueur, osan a soutien à bah avocat. Parce que la fédération gabonaise, ils ont tellement de gens qui ont été en train de se faire congolais. Parce qu'il y a un document de mon côté. Il y a un document de mon côté où ils ont été prouvés que Azali est congolais. Bon, concernant le SG de la FECOFA qui avait envoyé un document en 2007, la fédération gabonaise et Wanganyan ont dit que Zana. Ce que je veux dire, c'est parce qu'ils ont été en train de se faire. Donc dans le bongo la France était na zone ngana partager na bino pour comprendre l'évolution à dossier ning ezokindi. Donc voilà un peu. Donc ce qui fédération gabonaise et wanganyango, il faudra que sikoyo fédération congolaise ait retrouvé siko na ba archive wana a ait retrouvé na ba archive na yé que batinda ki document wana na fédération gabonaise. Ce qui va retrouver yango, c'est un élément. Mais ce qui va retrouver en côté, ce sera un problème parce que la Fédération gabonaise et Koloba biso toyeba quitté totikala komunate. Et c'est là que ça diffère un peu avec le cas Etekiama, parce que le cas Etekiama abeta ba image bima ba tuba muna. C'est un peu ça la différence. Ce qu'on a cas ya joueur ya Gabon oyo abeta oui, mais nani ya muna. Mutumo kota muna. Licence wana pe ba ko combattre ba Koloba kezala qui falsifié. Donc la fédération gabonaise, il y a un garçon, Freddy Kula, aza à l'aise parce que il y a un élément où ils allaient prouver, ils ont constitué un dossier où ils allaient prouver que l'innocence de la fédération pour n'a pas un joueur. Donc ils allaient vraiment, un dossier vraiment, vraiment, vraiment difficile et ils ont la facilité. Donc ne nous avons pas déjà comme vainqueur et n'avons pas le Gabon comme vaincu. Parce que le dossier à défense est à peu près. Ce qu'on a besoin, c'est un juriste qui va aider. Côté Wana, il y a un Bengi Maître Freddy Poiti. Il va aider concernant la nationalité et joueur. Ce qui a longué
nationalité à Moutou, est-ce que ce sera le moins Moka sans document avant âge à 18 ans, avant comme majeur, est-ce que Azali congolais, est-ce que Akoki Kozala la nationalité congolaise, c'est très important et le Kouana parce que ceux qui avocat va réussir à prouver que le joueur est sorti en tant que mineur et qu'il n'avait aucun papier prouvant que le joueur était congolais, automatiquement le Gabon pourra jouer la carte de l'innocence. Le Gabon pourra jouer la carte de l'innocence. Yes, Jack, I see your calls, but I'm doing this live. When I finish this live, I'll call you back. Okay, brother? Sorry. Let me finish this and I'll call you back. So, interview wana. Oui, namoni Fabrice Okomi, Fabrice Bon Okomi, interview wana a salak na lingala nde eza makasi parce que na kati interview wana azo avoué ye moko ke azali congolais, azala ki boye na boye, abeta na équipe boye na boye. Mais c'est ça l'interview. L'interview concerne que le joueur. Mais l'interview ne concerne pas le Gabon. Donc, on a ligné vraiment na zalana moi, vraiment na ebi sabatuba zalana moi bokebi. Parce que bah, Gabonais on a pe baza makasi. Donc, yangwana moni ko archiver ba documents est important. C'est très important d'avoir une fédération qui a des archives. Donc digitalisé ou ils ont un carte ordinateur parce qu'à tout moment beaucoup quota beaucoup missi bas document botindi parce que l'être botindi qui na 2007 na éviter ce ban pouku balia tu éviter ce qui est bunga tu éviter ce qui na on a la toilette, c'est ça aussi le problème parce que si vous avez la lettre vous savez montrer à la CAF que t'as là to informa qui bat oyo que dossier est à bout sur le joueur en tout cas côté on a des peines à la peine à caler. Mais ceux qui l'ont été, donc le Gabon aura beaucoup de chances de conserver sa qualification parce que Baron Nima va sacrifier joueur. Il y a un moment où il y a une technologie. Fédération, faut avoir la archive et la carte ordinateur. Fédération, faut linga aux à la page. Il faut linga aux à la fédération Moro Ezali. À tout moment digitalisé. Donc à tout moment, bon niveau bimisa élément, bon bimisa élément, bon partager, bon cabo de libate. Donc maintenant, minute sur n'engue salibo, soyez habité. Est-ce que fédération est aux en mesure où il y a prouvé marambo et zoloba. Donc voilà un peu. N'a rien qui vraiment tout n'a partagé n'a dit nos éléments. Oh, pour n'a pas bien dit ça, ben des gonions sur que combat oyo et aux de longue haleine. Ils en ont acquitté. La qualification n'est pas encore acquise. Même si la fédération est portée plainte, toujours encouragé Bango. Même ceux qui fédération déjà est portée plainte et toujours encouragé Lokoana. Mais, la minute Oyo, Nazan a un élément. Oyo, il y a défense, il y a Gabon. Oyo, ils allaient préparer pour Nako Longa et Tumbaana. Donc, tout ce que nous avons fait, c'est champagne pour Tumba Oyo et Zamakas. Bitumba oyo aussi la leloté eza bitumba moko ya long haleine donc ezala vraiment vraiment oui na moni argument na eza solidité mais problème eza que ce qui est aza capable ya ko ce qui fédération gabonaise eza capable ya ko loba ke to yeba kité côté wana ndesiko libabe nyo se ko elande yi ce qu'on a minute yo. Gabon a besoin de sacrifier. Bah au pire c'est un soulard moi a bien pour pas sacrifier. Besoin comprendre quand on est dans le bas. N'importe ce besoin comprendre. Le problème est qu'il y a deux choses. De toutes les façons la CAF va sanctionner. Mais ce que Bisso n'a souci n'a pas dit que CAF est sanctionné pour Bisso peut-être à la qualifier. Mais est-ce que CAF n'a pas élément où il y a besoin? Est-ce que CAF a besoin la possibilité à décider que ok Gabon boye bah qui joueur on a un congolais bobé ça et pourquoi? C'est ça la question. Vous comprenez? Donc ce n'est pas seulement que l'argument n'a pas solidité, mais c'est la question c'est de savoir est-ce que tu as en mesure y a que prouver que Gabon a yebaki que joueur on a gabonais ou congolais. Vous comprenez? C'est ça un peu l'essence y a vidéo na sali. Ils allaient juste prendre pour prévenir une que défense et zappé makasi. Défense en tout cas de toutes les façons joueur on a sanctionné. De toutes les façons de gauche à droite tomate tout qui t'a arrosé la sanctionné. Mais c'est que ce qui est à Pessiba élément et qui a prouvé
que ok ngata na yaki nanga Gabon na zaki nanga Congolais te na ibsa nanga pe mutute ki naza Congolais na na botama na OIM na sa, oui il y a eu falsification mais si ko Gabon oye ba ndenge nini la fédération gabonaise anga yeba ndenge nini bango yango patient ka di malobi ba obima ba ko pembe bango ba loba en tout cas biso to yeba kite mais si la fédération congolaise yango na za insister s'il y a une lettre qui prouve que la fédération congolaise a envoyé à la fédération gabonaise les, leur instruisant qu'il y a un dossier d'un joueur congolais et pas na bango wanande sikoyo Gabon a ko s'en sortir te mais si la fédération gabonaise n'a pas été instruite par la fédération congolaise en tout cas to matato ki ta dossier oyo eza mo matata à moins que ba constat Omar risque ba peser sikoyo na kati wana pour sikoyo to yeba ndenge nini to ko longa dossier oyo. Donc soki bo tchaba maya fufu en tout cas bo kitsano na se parce que lettre wana to ebite place ezali. Donc voilà, il y a un autre toujours technologie, et puis clarté, et puis transparence. Que ce soit dans la licence, que ce soit dans l'âge, il faut qu'il y ait de la transparence pour que quelqu'un de l'Iboso. Il y a un autre qui a dit que nous avons dit que parce que l'isolo oyo est un homme qui est un homme qui est dossier oyo est un homme qui Gabo, il y a un homme qui Freddy Koulawana à l'objet de l'objet qui est tous en soi à l'aise parce que Gabo est un vous comprenez parce qu'il y a tissico na nous tous un élément où ils ont prouvé que fédération gabonaise est là qui au courant que joueur on a congolais. Donc voilà un peu na si si nanga live nanga na opé sarabino ba mise à jour bo s'abonner na ba page na biso Global Sport Promo YouTube na YouTube petozali bo s'abonner sur YouTube na Global Sport Promo. Bon, on doit toujours la mise à jour parce que on a tous ça là nous aussi parlons de le part mais après on a nos salons on a YouTube vous abonner à la page à Global Sport Promo pour vous rappeler bah nouvelle. Je salue tous mes amis Gino Demukwata, Master Nangai, Freddy Poitimac, Kevin Bonyoma, Patient Kadima, mon honorable Gauthier Mato, Sébastien Goyi, tout le monde je vous salue. Je salue tous mes amis à Kinshasa, je salue. Donc voilà, batterie nanga ezan a mo problème. Donc na interrompre live nanga na ozonge la bino na ba jour ezolanda. Comme ça na pesa bino ba suite. Donc voilà. Li solo yango wana bo mekako chama mai na vino na bino. Donc na za na problème à charge nanga sili. Donc na ozonge la bino mbala sima comme ça na oyeba ko pesa bino sous ba nouvelle asika. Donc voilà un peu. Natiki bino donc bah oui nous sommes basés na pesimbote na bosani ko pesimbote na bandeko nous sommes bas soutenir abisso na qui na pesimbote na ba abisso nous sommes bas j'aide tout le monde voilà donc je suis venu vers vous Benoît je vous salue tout le monde je vous salue Mbalasima na rozonge la bino avec beaucoup plus de nouvelles concernant le l'évolution du dossier toujours l'engagement de près pour tout y bas n'ayez ni à quoi informer bino. Donc voilà, ceux qui veulent faire un foufou, ils ont un assez parce que ma soleil est ma casse. Voilà un peu. Natiki Bino et à la prochaine fois. Au revoir.